c'est probablement, moi, je suis pas avocate pour rien. J'ai un petit peu un côté de défendresse de la veuve et de l'orphelin et du désir d'aider et de transmettre. Alors, c'était vraiment pour passer au suivant. Et on se le cachera pas que le mentorat, je pense que ça rapporte autant au mentor qu'à la mentorée. Alors, moi, quand je vois une jeune femme qui évolue puis qui s'épanouit dans son travail et en tant que femme aussi, parce qu'on est des individus avant d'être des gens d'affaires, alors moi, c'est très stimulant pour moi et ben, ça me permet de faire profiter de mon expérience à ces jeunes femmes. Être spontané et être soi-même. Parce que le mentorat, c'est du savoir-être et non pas du savoir-faire. Pour le savoir-faire, les personnes peuvent retenir des services de consultants. Nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour accompagner au niveau humain dans cette aventure d'affaires-là. Alors, je pense que d'être le plus spontané et le plus soi-même possible.